مرحبا بكم سيداتي أو سادتي في برنامجكم المحبوب أركونسيال في إذاعة راديو بلوريال، إذاعة التسامح والأخوة الدائمة. Avec vos fidèles serviteurs, Arc-en-Ciel vous amène du nouveau cette année. Du nouveau sur plan professionnalisme, puisque Arc-en-Ciel sera renforcé avec des journalistes de renom, des journalistes français et franco-marocains. Un grand coucou et un grand bravo à notre jeune, talentueux technicien, Mehdi. Avant de découvrir la nouvelle équipe Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et la nouvelle façon de gérer cette émission qui a pris de l'ampleur, et nous tenons à remercier l'ensemble de nos auditeurs et nos auditrices qui ont essayé de nous joindre dans l'été, mais sachez-le, c'est les vacances, on était obligé de prendre un moment de repos. On vous laisse avec cette belle, belle chanson. Hey, man. راسي راسي يا ليمي وعراجة العوام
14h08 et nous sommes en direct avec Hamid Chriyat. Bonjour Hamid. Bonjour, je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Oui Hamid, nous sommes en direct avec notre invité qui nous honore par cette participation, surtout un dimanche et encore le dernier dimanche du mois d'août. Monsieur Ibrahim Sorel Keita. Bonjour, monsieur Ibrahim Sorel Keita. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de participer avec nous dans cette émission, cette première émission de la rentrée qui est dédiée à la promotion de cette relation France-Maroc et surtout cette coopération sud-sud sur le plan social. Hamid, j'utilise la parole pour la présentation de notre invité. Bonjour monsieur Sorel Keita, d'abord je vous remercie de nous avoir accepté notre invitation et nous sommes très honorés de vous accueillir. Merci Hamid, bonjour à toi. Alors vous avez été, pour nos auditeurs et auditrices, de faire une très brève présentation, vous avez été journaliste, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un homme de communication, vous êtes celui qui fréquente à la fois les puissants et les démunis, vous avez à la fois plusieurs casquettes, vous êtes professeur de droit, mastodonte du monde associatif, enseignant et à la fois chercheur, vous êtes un homme aussi qui a publié effectivement un recueil Banlieue Rhapsodie, vendu à plus de 10 000 exemplaires, je le rappelle, chose qui est rare pour un livre de poésie. Et vous dirigez depuis 2008 une chaîne diffusée sur la TNT, d'ailleurs qui fait beaucoup aujourd'hui de bruit et dont on parle beaucoup dans les médias, BDM TV qui s'intitule Banlieue Diversité Média, dont l'emblème est, je crois, la France est plus belle. Et plus belle multicolore. C'est un en multicolore. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc vous êtes aussi également vice-président d'SOS Racisme et chevalier de l'Ordre National du Mérite. Donc ma première question est, que pensez-vous de l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI qui aujourd'hui a régularisé les sans-papiers subsahariens, notamment on le voit à travers l'immigration, et la création d'un ministère chargé notamment du dossier. Écoutez, merci d'abord de m'inviter à cette émission. Je salue vos auditeurs et toutes les personnes qui contribuent à faire de cette émission une émission de référence. Merci aussi pour cette présentation. Je voudrais simplement dire que il est très important de favoriser la coopération Sud-Sud parce que pour une raison très simple, elle est beaucoup plus importante que la coopération Sud-Nord. Il y a beaucoup plus de migration d'un pays du Sud à un autre que d'un pays du Sud à un pays du Nord. C'est très important de le dire. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui en France, se pose le problème des sans-papiers, qui est un problème central. Et chaque fois qu'il y a des régularisations, ça défraie la chronique et ça crée des polémiques à l'infini. Alors que dans d'autres pays, et là je salue l'initiative du roi du Maroc et l'initiative de régularisation de ces sans-papiers, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est un ami marocain, Monsieur Abdelhaïm Hafidi, qui est producteur et journaliste sur France Télévisions, qui est d'ailleurs le présentateur de l'émission Vivre l'Islam, qui m'a appelé, qui m'a dit il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au Maroc et les gens n'en parlent pas en France. Il y a peu d'écho là-dessus, sur cet événement sans précédent d'une régularisation massive de sans-papiers, alors que c'est un pays qui n'est pas la cinquième puissance économique du monde. Et donc je trouve que c'est vraiment un signal très fort en direction des États occidentaux, notamment de la France, pour se dire simplement qu'on peut arriver, lorsqu'il y a une volonté politique digne de ce nom, on peut arriver à engager une politique humaniste et généreuse. Et que par ailleurs, régulariser des sans-papiers, c'est les installer dans la légalité. Et donc ça peut contribuer justement à faire en sorte que le développement économique, la relation humaine et sociale puisse s'exercer dans des meilleures conditions. Parce que un sans-papier qui vit dans la clandestinité, il est en proie à un certain nombre d'attitudes et de comportements qui peuvent être dangereuses. Et donc je trouve vraiment intéressant cette régularisation, et je sais aussi qu'il y a un ministère qui est chargé de ce dossier, et donc ça
c'est une espèce de cohérence dans la politique marocaine qu'on observe depuis quelque temps, qui à la fois installe des relations avec les pays du Nord, parce que c'est un grand pays touristique notamment, mais qui n'oublie pas qu'il est sur un continent et qu'il est important aussi de participer à l'essor et à la promotion de ce continent. Et le meilleur moyen de le faire, c'est faire en sorte que les individus, que les peuples puissent se côtoyer et puissent entretenir des relations saines dans la légalité la plus totale. Oui, Monsieur Ibrahim Keïta, vous savez que notre équipe, c'est une équipe qui est entourée de journalistes de renom, notamment un journaliste de grande notoriété, Monsieur Henri Fabre, journaliste de la chaîne parlementaire qui est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, tu es en direct avec nous pour poser ta première question à notre invité de marque. Oui, mais justement, je suis très, très ému de lui parler parce que deux ministres marocains dans le gouvernement français, il y a quelques années, d'origine marocaine, disons, dans quelques années, ça aurait paru invraisemblable. Mais il y a également ce qu'on peut appeler un ministre catalan. C'est Valls, quand même, premier ministre, quand même. Et catalan originaire de la région de Barcelone, c'est-à-dire pas de France, de ce qui était appelé, on va dire, l'Espagne, entre guillemets. Et moi, je crois que je vois une évolution extraordinaire. Ce qui était avant, on va dire, les Pyrénées, qui était une frontière, maintenant, eh bien, maintenant, c'est Gibraltar. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a une ouverture fantastique qui se prépare, et je voulais demander son avis, jusqu'où ça va aller, et je pense paisiblement, et avec quel avantage pour tout le monde. Merci, Monsieur Fabre. Je vous salue par la même occasion. En effet, je trouve que ces nominations sont intéressantes, oui. Parce que justement, je pense que la France est riche de sa diversité. Et je pense que l'immigration, comme l'a dit il y a quelques années l'ancien maire de Lyon, Monsieur Michel Noir, oui. L'immigration est une chance pour la France. Et j'en veux pour preuve, justement, la qualité de ces personnes qu'on a nommées, je les connais toutes les deux. Oui. Najat Vallaud-Belkacem est une femme extraordinaire, c'est le produit de la méritocratie française, elle est de Lyon, elle est du Maroc, et aujourd'hui elle est entièrement française, et d'ailleurs je voudrais m'associer aux élans de solidarité et aussi au soutien que des associations comme celle que je dirige et d'autres ont manifesté à son égard parce que malheureusement en France encore, face à cette évolution, face à ces progrès, il y a toujours les forces du mal qui oui. sévissent, qui réagissent et elle a été attaquée de façon très violente sur les réseaux sociaux par ces mêmes personnes que nous connaissons qui contribuent de manière négative. Ce sont des gens du passé déjà. Ouais, tout à fait. Ce sont des gens oui. du passé, donc on va les oublier deux secondes oui. pour parler et nous interroger sur ces signes positifs pour la cohésion de la française. Moi, je trouve ça intéressant. Et toutes les deux, leur preuve pour le passé, même si Najat est très jeune, mais je pense qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et que justement, compte tenu du fait que François Hollande a fait de la jeunesse une priorité, il est important que ce ne soit pas que des mots. Parce que moi, je fais partie de tous ces gens qui ont une sensibilité de gauche et qui sont qui attendent des signes très forts du respect par Monsieur Hollande des engagements qu'il a pris pendant la campagne présidentielle. Et donc, nous ne pouvons que nous satisfaire de ces signaux, parce que c'est très important. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui ne croient plus en la République, qui aujourd'hui ont l'impression de ne pas être des citoyens à part entière. Et bien pour eux, ces signaux-là sont intéressants, parce que c'est aussi pour eux des exemplarités qui peuvent leur faire croire en l'avenir. Donc moi, je salue ces promotions. Maintenant, évidemment, j'espère que ces deux personnes seront à la hauteur de la confiance qu'on a mise en elles, parce qu'en réalité, elles portent un poids considérable. Si elles échouent,
c'est aussi un certain nombre de jeunes issus de l'immigration, de populations issues de l'immigration, qui seront déçus et qui peut-être même seront stigmatisés en termes d'échecs et en termes de posture. Donc, enfin voilà ce que je voulais dire là-dessus, c'est que vraiment c'est bravo au gouvernement Valls, et j'en profite pour aussi dire qu'effectivement c'est intéressant qu'on ait un Français d'origine catalane qui devienne Premier ministre après avoir été ministre de l'Intérieur. Ben, ça aussi c'est intéressant. Moi j'ai suivi son discours de clôture de l'université d'été de La Rochelle, et franchement j'ai pas mal vibré aux accents citoyens qui caractérisaient ce discours-là. J'ai trouvé intéressant qu'il parle de la lutte contre les discriminations comme étant une priorité, qu'il fustige le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, et j'ai trouvé intéressant qu'il dise que tous ces jeunes, que toutes ces populations issues de l'immigration, eh ben, sont une chance pour la France. J'ai trouvé ça intéressant, parce que j'avoue que ben, je fais partie des gens qui étaient un peu déçus de ces espèces d'accents libéraux et de ces espèces de, comment dirais-je, de critères et de postures et de mesures plus ou moins libérales prises par ce gouvernement. Eh ben, je trouve que le fait que le Premier ministre d'origine catalane n'oublie pas d'où il vient, n'oublie pas qu'il a été maire d'une ville de banlieue populaire, eh ben, je trouve que ça, c'est intéressant. Il l'a martelé de manière très forte pendant son discours à La Rochelle. Et je crois que ben, s'il applique ce qu'il a dit, s'il respecte l'engagement qu'il a pris devant les militants socialistes, et donc, puisque c'était médiatisé, devant les Français, je pense que ça peut être de bon augure, et que la séquence de la nomination de ces deux jeunes femmes et la séquence de ce discours au fort accent patriotique, citoyen, humaniste, progressiste, ben, tout cela est à saluer. Oui, cher Brahim Sorel Keta, donc on reste en ligne parce qu'il y a juste une petite page de publicité. De 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Oui, cher Brahim, j'ai une question puisque vous êtes une personne d'origine guinéenne et vous êtes quelqu'un qui a travaillé au Maroc en 2005. Ma question rentre dans un optique coopération sud-sud. Le Maroc et la Guinée, c'est une relation au beau fixe. Comment les franco-marocains, les franco-guinéens peuvent participer à sa promotion? Bonne question. Je précise simplement que je suis effectivement d'origine guinéenne et ivoirienne. Donc je connais bien aussi la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui m'est cher. Et j'ai travaillé au Maroc. En fait, j'ai organisé des activités de solidarité, ce qu'on appelle des chantiers de solidarité, à plusieurs reprises d'ailleurs, pas seulement en 2005, en 2005, en 2006, en 2007, nous avons ramené une cinquantaine de jeunes franco-marocains, franco-africains et français d'origine européenne, de souche européenne au Maroc, pour des activités d'échange culturel, mais aussi des activités de rénovation d'équipements culturels, et aussi un échange avec l'orphelinat de jeunes filles de Casablanca. Et plus récemment d'ailleurs, encore une fois, l'année dernière, nous avons avec une grande Marocaine, une grande Française aussi, Madame Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère de la première victime de Mohamed Merah, nous avons organisé la même chose. Donc nous avons ramené une quarantaine de jeunes à Rabat, Marrakech et Casa, pour des échanges avec des écoles, notamment le lycée de la Koutoubia à Marrakech. Et ça, nous l'avons fait en étant à la fois des citoyens français, mais aussi en nous appuyant sur nos origines africaines, parce que nous pensons que c'est très important que ces origines soient un atout pour nous. C'est un plus, parce que ça nous permet peut-être, une fois que nous nous déployons dans ces pays-là,
je pense aux pays du Sud, donc notamment au Maroc, mais ça nous permet d'avoir une approche plus globale parce que nous connaissons ces réalités-là. Et donc, évidemment, pour répondre précisément à votre question, je pense que il est très important que les franco-marocains, parce que ils ont une double culture, et les franco-guinéens, mais je dirais de manière générale les franco-africains, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle considérable parce qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est importante et parce qu'ils ont aussi des connaissances qui leur permettent justement de se déployer de manière simple, souple et efficace dans le cadre d'une coopération entre le Maroc et la France et aussi entre le Maroc et leur pays d'origine. Pour ce qui concerne la Guinée, il ne faut pas oublier que Mohamed V, feu le roi Mohamed V, était très 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 lié à feu le président Ahmed Sékou Touré, qui fut le premier président guinéen, qui est l'homme du non au général de Gaulle, qui avait dit à l'époque non au projet de constitution franco-africaine. Et du coup, son pays fut le premier pays d'Afrique noire à acquérir l'indépendance. Et parce que bon ben il avait estimé, comme il l'avait dit dans une déclaration qui est restée historique, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Bon, c'était un peu, comment dirais-je, c'était un défi au général de Gaulle, mais ça lui avait attiré la sympathie de tous les nationalistes africains, notamment du roi Mohamed V. Et le roi Mohamed V, avant de disparaître, lui avait confié son fils Hassan II, le roi Hassan II, et donc ça a fondé un lien très fort entre la Guinée et le Maroc. Et d'ailleurs, on dit aujourd'hui que le président Ahmed Sékou Touré serait enterré au Maroc. Et donc ces liens historiques ont perduré. Et du coup, aujourd'hui, le gouvernement guinéen et le gouvernement marocain ont des liens très forts, et ces liens-là, je pense, doivent se prolonger à travers les liens entre les peuples, parce que je pense que c'est les peuples qui contribuent à cristalliser de manière plus forte, plus crédible, plus durable, une coopération entre deux États. Oui, effectivement, Monsieur Keta, puisqu'on parle de la coopération Sud-Sud, dans notre équipe, nous avons un journaliste de renom, un journaliste spécialiste aussi de l'Afrique, et qui est un franco-africain, n'est que le journaliste Mathieu Mbarga Abiga. Bonjour Mathieu. Bonjour chers confrères et bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Donc nous sommes en direct avec notre invité de marque, Monsieur Keta, qui est connu, reconnu sur la scène nationale comme sur la scène internationale. Et puisque le sujet est sur la coopération sud-sud, je te prie de poser la dernière question à notre invité. Alors, la dernière question, la voici. Quels sont, selon vous, les obstacles pour qu'une coopération sud-sud sociale accompagne de manière efficace la coopération économique dans le continent? Merci, Mathieu. Je vais me reprendre en fait, puisque je pense sincèrement que le fondement d'une coopération durable, c'est le rapprochement entre les peuples. Je pense que les peuples, c'est important, que même si effectivement aujourd'hui la plupart des processus de coopération ont une vocation économique et financière, je pense que pour que ces processus aient un supplément d'âme, ou plutôt, je dirais même, un supplément d'efficacité, je pense qu'il faut qu'il s'incarne à travers les échanges entre les peuples. Regardez d'ailleurs... Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous entendez, le rapprochement des peuples? Est-ce que ça sous-entend des accords vraiment dans les domaines, secteur par secteur? Est-ce que rapprochement, oui, ça reste vague, le rapprochement dans quel domaine? Ben, par exemple, permettre au peuple de se fréquenter. Par exemple, qu'il y ait un peu plus de circulation entre les peuples du Sud, notamment entre les peuples marocains et les peuples africains. Autour des projets ou simplement... Évidemment, se rencontrer et ensuite envisager ensemble, bien entendu, des échanges à la fois culturels, mais aussi des échanges sur des projets sociaux.
Et ça, c'est vraiment très important. Je ne crois pas, mais bon, je pense que c'était peut-être pas très clair, mais je ne crois pas que ce soit vague de le dire. Et j'allais prendre comme exemple le processus de l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, je pense, c'était d'abord des accords concernant un domaine particulier, le charbon, l'acier. Et puis par la suite, c'était plutôt économique et financier. Mais on voit bien que l'Union européenne, le processus d'Union européenne, focalise un certain nombre de critiques parce que justement, on a l'impression que les peuples ne sont pas pris en compte. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, échange économique, très bien, mais il faut d'abord ou parallèlement accompagner ces échanges économiques-là d'échanges entre les populations. Permettent une fluidité des rapports. Bon, ça se fait déjà parce que je sais qu'au niveau du Maroc, il n'est pas très compliqué pour les Africains d'accéder au Maroc et vice-versa. Je parle des Africains subsahariens, puisque je considère que le Maroc est un pays d'Afrique. Mais je pense aussi, et vous l'avez suggéré dans votre question, ça me permet de le préciser, qu'il est important de soutenir des initiatives, des micro-projets communs. Initié par des Marocains et des Africains subsahariens. Je pense que c'est vraiment très important parce que c'est à travers la multiplication de ces micro-projets que ces échanges économiques seront utiles, permettront peut-être d'atteindre leurs objectifs principaux qui sont, je crois, d'assurer le bien-être des populations de ces différents pays. Et donc, moi, je pense que il est important aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, que ces échanges aient une dimension culturelle. Parce que pour moi, la culture, c'est tout. Et c'est d'abord lorsqu'on a maîtrisé cet aspect culturel, peut-être, qu'on peut arriver à éviter un certain nombre d'embûches dans les échanges économiques et dans les échanges même industriels. Aujourd'hui, le Maroc est très à la pointe sur cette coopération sud-sud. Bon, vous le savez, il y a eu cette tournée du roi du Maroc, c'était vraiment très bien, mais je pense que ces échanges au sommet mais doivent s'accompagner aussi d'échanges à la base, si j'ose dire. C'est vraiment un peu ce que je voulais dire. Comme, oui, alors, votre proposition, c'est que les Africains suivent l'exemple du Maroc, qui a donné le la sur la nécessité de cette coopération sud-sud. Si j'ai bien compris, c'est cela votre propos. Ouais, vous avez bien compris. Il faut vraiment que dans l'autre sens, ça se passe, qui est que les chefs d'État aillent, mais que les délégations aussi aillent là-bas, au Maroc, que les étudiants, ça a commencé. Ça, c'est très bien, parce que moi, chaque fois que je vais, j'ai la chance d'être invité par des étudiants d'Afrique subsaharienne, et il y en a de plus en plus. C'est très bien, parce que c'est moins cher d'aller étudier au Maroc que de venir en France. Et puis, en plus, il y a beaucoup d'obstacles, comme vous le savez, pour nos frères et sœurs du continent, pour venir ici en France. Et donc, je salue vraiment cela. Mais il faut que ça se développe davantage, notamment dans le cadre d'échanges culturels, notamment dans le cadre, comme vous le disiez, et là-dessus, je suis d'accord, dans le cadre de projets, de projets à taille humaine ou à taille locale qui seraient initiés par les populations et soutenus évidemment par les gouvernants ou par les organisations internationales ou les institutions financières. Et c'est une espèce de co-développement. Et on en parle beaucoup du co-développement en France, mais je pense que on peut faire une espèce de soit d'intra-développement ou de co-développement entre les pays du Sud. Parce que justement, c'est les principaux acteurs du développement de nos pays, je dis nos pays parce que je reste attaché quand même à mes racines africaines et je considère que l'Afrique est un continent, et le continent mien, si j'ose dire, mais je pense que il est important que, effectivement, les populations s'investissent davantage et qu'on leur permette de le faire, notamment en leur permettant de circuler. Bon, là, ça se passe bien pour le Maroc, mais on sait que dans certains pays africains, il y a encore des obstacles de franchissement de frontières. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On sort pas vraiment beaucoup du sujet. L'épidémie d'Ebola est un prétexte pour un certain nombre de pays
pour fermer davantage leurs frontières et s'inscrire dans quelque chose que moi je réprouve. Moi je trouve vraiment, moi je suis partisan des États-Unis d'Afrique, donc ça vous permet peut-être de comprendre un peu mieux le sens de mon propos. Et je pense qu'il est très important que progressivement on bannisse les frontières entre les différents pays d'Afrique. Progressivement, d'abord entre les pays d'Afrique subsaharienne et ensuite entre ces pays-là et les pays d'Afrique du Nord. Et là-dessus, je salue véritablement, parce que je connais un petit peu la politique des frontières du Maroc, et je trouve que même si Assuéta et Melilla, je trouve quand même que c'est intéressant aujourd'hui que les formalités ne soient pas totalement dissuasives, et qu'on permette aux populations, aux habitants, aux individus, aux êtres humains de circuler, de se changer, d'échanger, de se côtoyer. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à donner aux échanges économiques une dimension humaine et une dimension d'efficacité aussi. Parce que si vous ne connaissez pas l'autre, ben vous aurez du mal à commercer avec lui. Et c'est un peu ce que je voulais dire, Mathieu. Très bien compris. Mathieu, peut-être ça va dépendre le temps qui nous reste, est-ce que vous ne pensez pas que une des clés de cette coopération, c'est l'éducation. L'éducation qui va donc renforcer et permettre l'évolution totale assez rapide quant à cette donnée qui est saluée de tous et qui est maintenant une voie pratiquement, je dirais, on ne peut pas faire l'économie de passer par la coopération sud-sud, et il faut donc, vous l'avez bien rappelé, il faut des clés, il faut une méthode, il faut que l'éducation soit au centre, il faut que les peuples, je suis entièrement d'accord avec vous, les peuples se rencontrent, discutent et réfléchissent ensemble et rêvent ensemble. Absolument, je suis entièrement d'accord. Culture, promotion des échanges culturels et éducation, c'est vraiment la clé pour que justement ce rêve soit possible. Merci Mathieu de cette participation. Juste une toute petite question, j'estime c'est la dernière. Selon vous, Monsieur Ibrahim Keïta, est-ce que, avec tous les éléments que vous avez évoqués, avec tout l'échange qui a commencé dès le départ, est-ce que pouvons parler un jour, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'actualité, d'un SOS racisme au Maroc? Absolument. Absolument, pour une raison simple, c'est que moi, je suis en fait, vous avez dit vice-président, mais en fait, je suis président du Conseil national. J'étais vice-président, ensuite j'ai été président par intérim entre janvier 2014 et juin 2014, mais bon, j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus parce que la présidente était malade et que bon, je voulais pas que ça apparaisse comme étant une volonté de la faire partir. Et puis donc, à partir de juin 2014, on a, compte tenu des circonstances particulières en France, l'arrivée du Front National, premier parti aux élections européennes, l'ancien président Dominique Sopo est revenu et on a créé un tandem. Donc on a un tandem aujourd'hui à la tête de SOS Racisme. Lui, il est président du bureau national, il s'occupe de la ligne politique. Et moi, je suis président du Conseil national, qui est le parlement de l'association, c'est-à-dire l'ensemble des comités de l'association. Mon rôle, c'est de redynamiser un peu plus ces comités-là et de construire, développer, faire en sorte que SOS Racisme soit un peu plus actif, un peu plus présent partout. Et dans ce cadre-là, bien sûr, j'ai initié la création d'un comité au Cameroun. D'ailleurs, c'est ce comité-là, si vous connaissez un peu la situation du franco-camerounais Michel Thierry Atangana, qui a passé 17 ans dans les geôles camerounaises, et c'est ce comité s'est battu pour obtenir, grâce au soutien aussi, il faut le dire, de la diplomatie française et de Monsieur François Hollande, qui a obtenu donc la libération de Michel Thierry Atangana. Et donc ce comité est très actif. En ce moment, il se bat pour faire libérer une avocate franco-camerounaise qui s'appelle Lydiane Eyoum. Et dans la foulée, nous avons créé aussi un comité SOS Racisme à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
et un autre à Conakry en Guinée. Donc trois pays que je connais très bien. Et maintenant, évidemment, vous avez, enfin, votre question est intéressante parce que je pense que d'ici mon départ de l'association, parce que je me suis donné encore une année pour partir, puisqu'il faut un renouvellement des générations, mais d'ici mon départ de l'association, j'envisage de créer effectivement un comité SOS Racisme au Maroc qui aura pour objectif justement de promouvoir le vivre ensemble, de lutter contre les discriminations et de faire en sorte que le modèle humaniste qui nous guide et qui, je pense, existe au Maroc, soit promu et développé et se cristallise de manière concrète, soit à Casa, soit à Rabat. Ben écoutez, sur cette bonne nouvelle, hein, donc qui nous avons l'honneur de la partager avec vous sur notre antenne, on vous dit merci infiniment de votre participation constructive au nom de toute l'équipe composée de Monsieur Hamid Chriyet, notre éditorialiste journaliste à Paris, Monsieur Henri Fabre, journaliste parlementaire, et Monsieur Mathieu Mbarka Aviga, journaliste politologue sur Télésud. Et on vous dit à très bientôt et merci encore une deuxième fois. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. Ah, monsieur. Au revoir. الله هو قيلك انا جينا وديك واحد اللي بغيت يشرح ولكن داوديه بلا ما زعما جات قال لك شي واحد مريض شي حمريض وناس في الدار هما يجي عند واحد فقيه ما فقيه ما والو هو يكتب ليه يا ربي عجي هو يدي لي الحجاب من النهار داك الحجاب مسكين هو تيختي سدي خسر الفراش هما يحلوا داك الحجاب هما يلقاو يا ربي اي خي تحت النقطه تبارك الله عليكم Mesdames et messieurs, Sfekat Harra, Daudia. وناس الجزائر وناس تونس وكاع الجاليه العربيه اون جينيرال مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا عندكم ابو دي فاسي بوحدي وبني بلال ناس بني بلال بني بلال Yeah.
Et nous sommes toujours en direct avec, après cette pause, cette belle pause musicale qui date de 2010 à Montpellier, du travail associatif qui a été effectué à l'époque. Oui. Nous sommes en direct avec Henri Fabre et Hamid Chariette pour une synthèse. À vous l'honneur, qui c'est qui veut prendre la parole par rapport à ce qu'on vient d'entendre par l'intermédiaire de notre cher invité Ibrahim Keïta? Ah bah, je donne la parole à Henri, puisque laissons les anciens commencer. Eh bah tu vois, ça c'est bien. Tout ça très pour bien. Dire qu'il est plus jeune que moi, c'est un ami quand même, je peux le dire. Non mais Hamid, ce que je voulais dire, et on en a parlé parce que c'est un projet, un programme qui nous passionne tous les deux, et Abdel aussi évidemment, c'est qu'il y avait une frontière qui s'appelait les Pyrénées, qui séparait notamment les Catalans des Catalans, ceux de Perpignan de ceux de Barcelone, ceux de France de ceux d'Espagne. Et aujourd'hui, il y a une frontière, qui est la Méditerranée dans son ensemble, qui sépare l'Europe de l'Afrique. Et je crois qu'on est arrivé à ce phénomène où on a tous à gagner à ce que cette frontière soit positive pour tout le monde, alors sa disparition soit positive. Elle, progressivement, elle va se faire, cette disparition. On le voit bien, on circule dans les deux sens, tout va bien. Mais on a profité de la disparition des Pyrénées en tant que frontière, on en bénéficie, et maintenant il faut bénéficier, nous, tous ensemble, et on a notre mot à dire les uns et les autres, et Hamid, notamment toi, la jeunesse, puisque tu m'as rappelé que j'étais plus âgé, vous avez beaucoup de choses à faire et vous êtes responsable. Voilà, je le pense vraiment, et je suis très très content des projets qui peuvent se faire. Donc, le message est clair. Nous sommes tous là derrière cet élan de promotion aussi, hein, dans notre deux beaux pays, hein, la France et le Maroc, dans un cadre de coopération sud-sud et à travers les interventions. Excuse-moi, mais ce que je voulais dire, c'est que la Méditerranée, ouais, c'est la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Exact. Comme les Pyrénées étaient au départ entre la France et l'Espagne, ou entre les deux Catalognes. Et maintenant, on en est à la Méditerranée. Et c'est à nous que cette responsabilité, à nos générations. Voilà, pardon. Parfait. Allez, Hamid. Et mon cher Henri, également, pour compléter ce que notre cher Henri disait, cher Abdelatif, c'est qu'il ne faut pas oublier que, pour faire une synthèse, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant en Afrique et ce qui doit être fait impérativement, c'est à la fois aussi le renforcement de la qualité de l'éducation et de la formation, l'amélioration de la santé qui est une priorité et l'état nutritionnel de la population, car notre cher invité, M. Sorel Keïta, avait notamment parlé du virus d'Ebola, la réduction de la vulnérabilité et des inégalités qui perdurent quand même sur le continent, la consolidation de la gouvernance démocratique qui est très importante, à la fois aussi la protection de l'environnement, toutes ces questions ça, toutes ces questions, la prévention des catastrophes, qui fait partie aussi de ce postulat, la gestion des risques naturels et du changement climatique, dont on a parlé à plusieurs reprises dans plusieurs émissions, comme tu le sais, mon cher Abdelatif. Mais pour compléter à ce qu'a dit Henri, c'est que le Maroc aujourd'hui, je dirais, a fait de la coopération sud-sud, et particulièrement dans son espace, qui n'est pas simplement africain, mais aussi arabe et méditerranéen, puisque le Maroc est ouvert sur la Méditerranée, l'Atlantique aux États-Unis et en Afrique en bas, une priorité de sa politique étrangère, car à travers les révolutions arabes, souvenons-nous que la nouvelle constitution du royaume a d'ailleurs consacré dans son préambule le renforcement de la coopération sud-sud, ce que beaucoup de constitutionnalistes n'ont pas appliqué dans les notamment dans la presse francophone ou dans la presse marocaine, et qu'à cet effet, le Maroc a créé en 86, et ça, nous l'avons répété dans les émissions, l'Agence marocaine de coopération internationale, l'ACI, qui a comme objectif d'en faire un véritable levier de cette forme de coopération, et je crois que les activités de l'AMCI portent, pour dire à nos auditeurs et à nos auditrices, essentiellement sur quatre secteurs, à savoir la formation des cadres, la coopération technique, la coopération économique et financière et l'action humanitaire dont aujourd'hui on voit bien avec les problèmes en Centrafrique, au Mali, en Syrie aussi dans plusieurs pays, dont est essentiel aujourd'hui. Et souvenons-nous que le Maroc a été le premier à mettre effectivement un hôpital militaire au Mali et en Syrie. Voilà. Ami, si tu permets, je voulais juste préciser une chose. Je suis d'accord absolument avec ce que tu viens de dire, mais en tant que, justement, c'est-à-dire catalan, au début, petite traversée entre la France et l'Espagne, puis maintenant entre la Méditerranée, puis tout ça,
Je crois que la grande condition que nous devons respecter les uns et les autres, c'est l'humanisme et c'est le respect des avis différents. Et ça, exactement, c'est très différent, pour la, très important pour la suite. Parfait. Et puis, Henri, si tu peux nous rappeler ta citation que tu lisais à chaque fois sur l'humanisme. Je suis d'accord avec vous, je crois, de mémoire. Mais je... Je ne sais plus. Allez, vas-y, Hamid, vas-y, Hamid. Dis-moi le début. Je crois que c'était je suis, même si je suis contre vous, je serai toujours avec vous pour défendre... pour défendre notre cause. Exactement, cause, voilà. Exactement. Et la cause, et notre cause, il est partagé aussi avec Mathieu Mbarga Abiga qui est en ligne. Mathieu, mais Mathieu qui est un personnage extraordinaire, mais vous, ceux qui ne le connaissent pas, il faudrait vraiment un jour, vraiment, Mathieu, c'est un personnage vraiment. En plus, il a une chance extraordinaire. À Paris, il connaît tout le monde, bien sûr, mais il connaît l'Afrique, il connaît tout ça. Et puis c'est un, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un journaliste de talent. Il y en a, ça existe. Alors, après tout ce qui vient d'être dit. Et s'il me contredisait maintenant, je lui dirais, t'es plus un ami, Mathieu. et c'est également pareil. Non, mais après tout ce qui vient d'être dit, c'est formidable d'avoir une belle équipe comme vous, comme Henri qui vient de parler de moi, c'est un ami personnel, ami de l'Abdelatif. Avoir une équipe soudée et surtout qui a une conviction, qui est celle de l'humanisme et de travailler pour dans le sens de rapprochement des peuples, des cultures. Tu te souviens, Mathieu, pardon de t'interrompre, j'ai peur d'oublier, comme on dit entre tous les deux. On a appelé ça le métissage et l'avenir. Le métissage culturel, le physique, tout ça. On va vers un métissage global planétaire. Et ça, c'est très bien, c'est inévitable de toute façon, mais autant le préparer, le faire bien, etc. Parce qu'on se rend compte que tous, on y a un intérêt, deux, finalement, besoin et envie. Ouais. Avant, on ne se mariait pas. Dans ma région de Perpignan, on ne se mariait pas d'un village à l'autre. Oui. Ah, maintenant, moi, je me marie à Paris. La difficulté, peut-être, c'est donc de travailler pour rapprocher tout ce rêve planétaire humanitaire. Oui. Et c'est surtout ce qui me fait vraiment un grand plaisir, cette équipe qui accompagne ma démarche. Du Maroc, dans le sens de la coopération sud-sud, et c'est de savoir que cette idée fait son chemin, et que nous formons en France déjà une équipe qui va, je pense, et je suis convaincu, accompagner cette coopération qui est fort utile. C'est en cela que je suis heureux d'avoir su entouré d'une équipe qui a une conviction, un combat, un honneur, en tout cas, qui n'est pas qui travaille dans le sens de l'intérêt commun, c'est formidable. Et donc, bien sûr, inviter tous ceux qui veulent bien se joindre à nous et continuer ce beau combat, qui est le combat pour une bonne cause. Eh bien, Mathieu, parfait. Je voulais te dire une chose pour que tout le monde le comprenne. Moi, je te connais depuis un bout de temps maintenant. Et oui. Un des grands bonheurs que nous avons à défendre cette cause, c'est de nous retrouver entre nous, entre personnes qui défendons la même idée. C'est exact. Parfait, parfait Henri, parfait Mathieu, parfait Hamid. Et un gros coucou aussi à notre jeune talentueux, il m'a dit, qui œuvre pour qu'il y ait une belle émission sur le plan technique. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel est forte par son potentiel composé de personnalités de haut niveau en termes intellectuels et médias. Elle sera renforcée de temps en temps par des chroniqueurs de très haut niveau, à l'instar de professeur Harakat, à l'instar de professeur Abdelatif Kak et bien d'autres qui peuvent participer de temps en temps par rapport à notre émission pour évoluer cette relation France-Maroc qui nous tient à cœur et cette relation de coopération Sud-Sud. Il ne me reste que 5 minutes. Je vous dis à très bientôt à tout le monde, à la semaine prochaine avec un invité de qualité et toujours de la qualité. Au revoir à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.
سادتي أموني سادتي مبقلنا نودعكم أما اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد ومع شخصيات وازنة وذات مستوى عالي ببلدنا المحبوب فرنسا وكذلك عبر العالم. أما اللقاء بنا بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل نودعكم في أمان الله وحفظه. وتحية خالصة من طرف طاقم هذا البرنامج عبد اللطيف الصدقي الانيماسيون المهدي على تكنيك حميد الشريط وكذلك أونغي فابغ ماتيوم بارغا.